Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée de Women's Champions League avec cette affiche entre l'OL et le FC Zurich, quatrième journée de la phase de poule. Objectif, victoire pour les Lyonnaises qui se sont déjà imposées 3-0 il y a deux semaines en Suisse et qui doivent se repositionner dans ce groupe C pour terminer sur l'une des deux premières places du groupe avant le match ce soir entre Arsenal et la Juventus. En cas de succès, l'OL aurait les cartes en main pour finir premier ou deuxième de ce groupe avant des confrontations face aux Anglaises et face aux Italiennes lors des deux dernières journées. Semaine décisive pour les joueuses de Sonia Bonpastor qui recevront ce week-end le Paris Saint-Germain en D1 Arkema, affiche décisive dans la course au titre en championnat. S'imposer donc ce soir, mais aussi bien préparer la suite avec une fin d'année très chargée. Et malgré le froid, 4 degrés ce soir sur Lyon et sur Décines, les jeunes supporters ont répondu présents pour venir soutenir cette équipe lyonnaise avec l'hymne du club qui est en train de retentir dans les travées du Groupama Stadium. L'entrée des joueuses dans quelques secondes, une équipe lyonnaise qui, depuis le match aller il y a 15 jours, s'est imposée deux fois en championnat. Une victoire 3-2 sur le terrain du Paris FC et un succès 8-0 face à Dijon ce week-end. Les Lyonnaises qui ont retrouvé l'efficacité offensive qui manquait ces dernières semaines, qui ont retrouvé de la confiance. Qui aborde donc ce match ce soir avec sérénité face à un adversaire qui a perdu ses trois premiers matchs. Une nouvelle défaite éliminerait ce soir le FC Zurich. Les Suissesses qui comptent faire mieux que lors du match aller et notamment mieux débuter ce match. Car Melvin Mallard avait ouvert le score dès la 4e minute de jeu en Suisse il y a 15 jours. C'est la volonté, en tout cas, de la coach du FC Zurich, Inka Grings, faire une meilleure entame et essayer, pourquoi pas, de créer la surprise et de remporter ce match. Allez, l'entrée des 22 actrices qui débutent ce soir avec en tête la capitaine de l'OL, Wendy Renard. On va découvrir les visages de ces joueuses, celles du FC Zurich qui joueront en bleu et noir ce soir. C'est le même 11 aligné par Inka Grings que celui qui s'était incliné face à l'OL il y a deux semaines, avec notamment la gardienne Zeraina Friedli qui avait eu beaucoup de travail et qui avait réalisé de beaux arrêts, notamment en seconde période. Côté lyonnais, une ou deux surprises dans le 11 de Sonia Bonpastor, avec notamment Inès Benyaya, la jeune lyonnaise qui débute ce soir. Le FC Zurich qui était déjà venu jouer ici au Groupama Stadium il y a quelques saisons. Une large défaite. La compo d'équipe
lyonnaise avec ce 4-3-3 mis en place par Sonia Bonpastor, Christian Endler dans les buts, Renard, Gilles en charnière, Bacha et Sombat dans les couloirs, un milieu à 3 avec Damaris, Benyaya et Oren, et puis devant Brun qui sera accompagné de Malard et Cascarino. Deux petites surprises dans ce 11 de départ, Alice Sombat à droite alors qu'elle joue plutôt dans l'axe habituellement, et puis je vous le disais, Inès Benyaya, jeune milieu de terrain très talentueuse de cette équipe lyonnaise, qui a l'occasion de prouver ce soir qu'elle a le niveau pour débuter un match de Champions League. L'arbitre de la rencontre est polonaise, Monika Mularczyk. Le toss effectué avec les deux capitaines Wendy Renard et Fabienne Hum, deux joueuses emblématiques de leur équipe. 17e saison à l'OL pour Wendy Renard, 14e saison au FC Zurich pour Fabienne Hum, qui débute à la pointe de l'attaque accompagnée de Pubel. 4-4-2 donc pour cette équipe de Zurich avec Friedli dans les buts, une charnière Federlein, Stierli, Megroz, Pando au poste de latéral, et les quatre milieux de terrain Dubs, Rey, Bernauer et Rizan. C'est donc bien Bernauer qui va débuter dans l'entrejeu du FC Zurich, alors que la grecque Eleni Marcou était annoncée titulaire. Changement de dernière minute suite certainement un problème à l'échauffement pour Marcou. Le coup d'envoi dans quelques secondes de ce match. Et c'est parti pour cette quatrième journée de phase de poule de Women's Champions League. La victoire évidemment dans le viseur côté lyonnais pour engranger des points après deux premiers matchs compliqués et se mettre dans des bonnes conditions avant d'affronter Arsenal et la Juventus. Inka Grings à l'image, la coach de cette équipe de Zurich. Il lui reste trois matchs de Champions League à coacher et puis ensuite elle partira diriger l'équipe nationale de Suisse avant la Coupe du Monde de cet été. Attention à cette perte de balle, Benyaya pour la première tentative, à peine une minute de jeu et la première frappe lyonnaise. La réaction peut-être des Suissesses. Kagrings leur a demandé d'être plus combative, moins respectueuse peut-être de cette équipe lyonnaise. Une équipe un petit peu timorée lors de la première période du match aller. Ça avait été un peu mieux au retour des vestiaires. Melvin Malard. Allez, dans le dos. La couverture de Naomi Megroz qui sort ce ballon en touche. Sonia Bonpastor qui connaît bien Inka Grings. Se sont affrontés en sélection. Deux matchs entre la France et l'Allemagne. Qui presse haut, qui récupère le ballon, Melvin Malard. Benyaya qui remise sur Horan,
Ça n'est pas cadré. Et déjà deux tentatives lyonnaises en ce début de partie. La voici Enes Benyaya. Et la frappe de l'américaine. Qui ne passe pas loin, mais Fridley était sur la trajectoire. Ça vient gêner la relance des Suisses et ça paye pour l'instant. Benyaya au duel, ballon dégagé, ça revient dans les pieds de Wendy Renard. Vanessa Gill, la canadienne. Batte avec Cascarino. Attention à cette récupération de balle. La passe est mal ajustée. Le FC Zurich qui évolue en 4-4-2 ce soir. Un schéma plus habituel que le 4-3-3 mis en place lors du match aller. Même joueuse, mais système légèrement différent. Et avec une permutation côté droit, puisque Nadine Reason, qui évoluait au poste de latéral mais qui avait été la plus dangereuse, joue un cran plus haut ce soir. Schierli de la tête. Et ça se projette. Côté suisse, il y a du monde. Interception de Selma Bacha qui va contre-attaquer, profiter peut-être de ce déséquilibre. Benyaya. C'est bien fait techniquement. Horan avec Cascarino. Le débordement de Delphine Cascarino. Centre contré, ce sera un corner. Le premier de la partie. Pas de round d'observation en ce début de match. Deux équipes qui vont de l'avant. Frappé premier poteau, dégagé des deux points par Fridley. Bacha son bat, on prend pas de risque. Avec Malard, Horan. Allez, on a rééquilibré les positions. Après ce corner, tout le monde est bien en place désormais. Brown contré. Et là voilà, Reason. Active sur son côté droit, il faudra la surveiller. Cascarino, le 1 contre 1, elle a choisi de rentrer intérieur, de servir Damaris. Damaris frappe du gauche, c'était cadré. Frappe repoussée par Fridley, le ballon n'est pas sorti. Malard. Bacha, Damaris. Gilles avec Renard. La capitaine lyonnaise qui trouve son bat sur le côté. Ça combine bien en une deux touches de balle. Son bat, Brown en appui. Avec Damaris. Et on écarte côté gauche. Bacha, Malard. Oh, la belle passe vers Horan. It's Horan! C'est contré, le retour défensif pour gêner l'américaine. Mais quelle passe de Melvin Malard. Bel appel de Lindsay Horan.
Et c'est Laura Fetterlein qui est venue tacler ce ballon. Corner à suivre de l'autre côté, cette fois-ci toujours le pied gauche de Selma Bacha. Et ballon capté par Friedli. Attentive. Déjà très sollicité. Damaris sanctionné. Inka Grings déjà très active sur son banc. Sans doute pas totalement satisfaite de ce début de partie avec déjà plusieurs situations dangereuses pour l'OL. Dégagement de Sombat qui n'a pas pris de risque face à Kim Doops. À l'aise techniquement, il gagne du temps de jeu, commence à s'imposer dans cette équipe buteuse lors de la victoire face à Dijon ce week-end. Cascarino, Oran, Cascarino pour Lindsay Oran, l'américaine qui temporise. Damaris frappe contrée, on demandait une main côté lyonnais, ça n'a pas été signalé et le jeu se poursuit. Agile à la relance. Et c'est passé par-dessus. Il y a de l'espace pour Delphine Cascarino qui a vu l'appel de Signe Brun. Ballon trop profond. Elle a retrouvé les sensations, l'attaquante danoise, ces dernières semaines, et notamment grâce à son doublé lors du match aller sur le terrain du FC Zurich. Elle s'est offert un triplé ce week-end en championnat. Allez, Bacha. Ballon perdu. Et la remontée de balle rapide pour trouver à l'opposé Rizan. Et la bonne passe. Le centre et Vanessa Gilles qui sort ce ballon en corner. Il y avait danger. Première opportunité pour les Suissesses avec cette contre-attaque bien menée. Rizan qui avait trouvé Pubel. Le centre vers Hum. Et corner à suivre. Et c'est la centrale. Il y a Stierli qui frappe les corners. C'est joué à deux. Pas de hors-jeu. Le centre, complètement manqué. C'est la particularité de cette équipe de Zurich. On en avait déjà parlé lors du match aller. C'est assez rare pour être souligné. Le défenseur central qui frappe les corners. C'est Zurich qui se déplacera sur le terrain de la Juventus la semaine prochaine, alors que l'OL se rendra de son côté à Arsenal. Match qui aura lieu à l'Emirates Stadium.
contrer. Ben Yaya, Malard, Bacha. Bacha suivi de près par Reason. Ça va être un beau duel à suivre ce soir. Deux joueuses solides et rapides. Oran avec Cascarino. Le jeu en triangle pour conserver le ballon en attendant que ça se décante. Et bien fait ça, ce ballon vers Melvin Malard, le centre deuxième poteau, ça parvient jusqu'à Oren et ça passe entre les jambes de Fridley. 14e minute de jeu, l'ouverture du score lyonnaise, 1-0. Comme lors du match aller, les joueuses de Sonia Bonpastor qui parviennent à inscrire le premier but dès le premier quart d'heure. 4e minute à l'aller, 14e ce soir. On revoit ce centre de Melvin Malard qui passe au-dessus de tout le monde. Et deuxième poteau, elle avait bien senti le coup. Lindsay Horan qui vient ouvrir le score. Ballon qui passe entre les jambes de la défenseur et de la gardienne. Malheureuse, les Suissesses. Déjà buteuse sur le terrain de la Juventus cette saison en Champions League. L'américaine qui confirme sa belle forme et son importance dans cette équipe depuis le début de la saison. Elle qui est prêtée par Portland. Ça fait déjà 6 buts. Toute compétition confondue. Meilleure buteuse de cette équipe lyonnaise, tout simplement. Au milieu de terrain américaine. Et la faute signalée sur Signe Brown. Cascarino, ballon sorti en touche. Et grâce à ce but, l'OL qui provisoirement revient à hauteur d'Arsenal avec 7 points dans ce groupe C. La Juventus en compte 5 avant le match entre les deux équipes ce soir. Un partout lors du match aller à Turin. Oh, le festival de Cascarino. Et oui, on va revenir à la faute. Elle a bien été accrochée, l'internationale française. Quel festival sur le côté droit de Delphine Cascarino. Et le carton jaune au passage pour Kim Doops. Allez vite, que le ballon sorte. Et ensuite l'enchaînement technique. Double contact à l'entrée de la surface de réparation. Coup franc excentré pour le pied gauche de Selma Bacha ou le pied droit d'Inès Ben Yaya. Et
Allez, ce sera pour Selma Bacha, bien frappé. Ballon sorti de la tête et dégagé. Elle est forte, Delphine Cascarino, pour mettre un terme à la contre-attaque. L'OL qui a retrouvé des repères, de la consistance depuis quelques semaines, depuis notamment le match aller, hein, qui avait fait du bien dans les têtes après plusieurs rencontres marquées par de l'inefficacité offensive, moins de liant dans le jeu. Ce succès 3-0 à Zurich a lancé une bonne dynamique. Attention, là, elle est un petit peu seule dans l'entrejeu. La joueuse du FC Zurich qui peut décaler côté droit, côté gauche, pardon, Kim Hoops. Allez, Cascarino, elle est passée. Elle est passée, Delphine Cascarino. Elle peut aller au bout avec sa vitesse, sa percussion. Et le crochet qui ne passe pas. Bien défendu. Et derrière, ça va vite également. Pubel avec Reason. J'adore, ça joue le centre contré par Wendy Renard et corner pour le FC Zurich. Zeraina Pubel fait partie des meilleures buteuses de cette équipe. À surveiller également. C'est elle qui a inscrit l'unique but du FC Zurich pour l'instant dans cette phase de poule sur le terrain d'Arsenal lors de la défaite 3-1. Allez, attention à ce corner à suivre. Toujours l'arrière centrale. Stierli pour le frapper. Il y a du monde devant Christian Endler. Pied gauche, c'était fort, renvoyé par Wendy Renard. Estierli qui récupère le ballon dans les pieds de Ben Yaya. Attention à ces pertes de balles, ça aurait pu être dangereux. Et derrière, il y a du champ, il y a du champ pour Delphine Cascarino. Qui temporise. Et la passe est manquée. L'énergie nécessaire sur cette action, Delphine Cascarino, pour aller percuter la défense du FC Zurich. Long ballon directement sur Vanessa Gilles. Damaris Renard. Ce sera important, très important ce match sur le terrain d'Arsenal la semaine prochaine. Après, on le rappelle, la défaite 5-1 lors du match aller ici même au Groupama Stadium. Une défaite qui avait fait très mal aux Lyonnaises. Cascarino, Ben Yaya. Son bat, le bon centre et la tentative acrobatique de Melvin Mallard. Et toujours ce pressing des Lyonnaises qui vont chercher haut. Gêner la relance du FC Zurich. Le ballon loin devant sur le côté gauche.
C'est la troisième fois que le FC Zurich se déplace à Lyon. Les deux premiers déplacements s'étaient conclus par des larges victoires lyonnaises. Une victoire 7-1 lors de la saison 2008-2009 au stade de Gerland. Brittini, triplé de Katia, doublé de Chéline, but d'Abili. Et puis il y a quelques saisons, en 2016-2017, une victoire 8-0 ici même au Groupama Stadium. Doublé de Le Sommer, triplé d'Egerberg, Ludenbock, Tario et Lavogé. Aura-t-on droit à autant de buts ce soir? Peut-être ici. Oui, on demandait une petite faute, un petit accrochage. Ça n'a pas été signalé sur la première buteuse de la soirée, Lindsay Horan. Il semblait y avoir une petite poussette. De la part de Kim Doobs, qui en plus a déjà un carton jaune. Allez, ça joue. Peut-être une nouvelle opportunité là. Remise passée appuyée. Mais Damaris qui récupère le ballon et peut frapper. Pied gauche. Ça file au-dessus du cadre. Frappe puissante. Coup de pied qui manquait un petit peu de précision. Néerlandaise qui retrouve ses sensations après sa blessure au genou sur le terrain de la Juventus il y a quelques semaines. On avait d'abord craint le pire et finalement plus de peur que de mal pour celle qui avait déjà été longtemps absente la saison dernière. Déjà 8 frappes hein, côté lyonnais. Cascarino. Ben Yaya. Ça ne passe pas dans l'axe, il y a du monde. La défense zurichoise bien regroupée. Mallard, l'appui sur Brun. Melvin Mallard qui va toute seule. La frappe pied gauche. C'est capté, dévié par Friedli et derrière la position de hors-jeu pour Lindsay Horan qui a cru un instant s'offrir un doublé. Mais le drapeau s'était levé. Elle est bien hors-jeu au départ de l'action. L'américaine, but logiquement refusé. Il faudra attendre pour le but du break. Allez, la touche sera lyonnaise. Salma Bacha pour l'effectuer. Mallard, Damaris. Par le côté gauche. Ouais, Mallard, Bacha. La passe trop profonde. On revoit une nouvelle fois cette position de hors-jeu. Le drapeau s'est vite levé. Sifflet est arrivé rapidement après cette action. Signe Brun qui peut écarter sur Delphine Cascarino en une touche, c'est bien fait pour Ben Yaya.
Ben Yahia, le petit ballon dans l'axe. Ça n'est pas parvenu jusqu'à Brun. Un coup de sifflet. Cette faute sur Fabien Houm qui demande la venue du staff médical. Elle s'est tout de suite tenue la jambe. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le FC Zurich et sa capitaine. Alors, il y a un problème au niveau de l'œil également. On va regarder tout ça. Et les supporters lyonnais, eux, se réchauffent en donnant de la voix, en agitant les drapeaux. Quelques Suisses et Suissesses ont fait le déplacement jusqu'au Groupama Stadium ce soir. Le FC Zurich qui a joué son dernier match de championnat de l'année ce week-end. Victoire 2-0 face au FC Rapperwil-Jona. Le FC Zurich qui reste deuxième du championnat suisse à 6 points du Servette. Le ballon n'est pas sorti, ça joue. Bien fait ça. Ce petit crochet, ça joue bien. La frappe, pas cadrée. Frappe écrasée de la part de Vanessa Bernauer. Après une bonne remise de Fabienne Hum, qui est revenue sur le terrain, la capitaine du FC Zurich. Et là, une autre joueuse reste au sol, c'est une Lyonnaise. Damaris, semble-t-il. Poignet peut-être qu'il y a un souci en retombant sur ce tacle, poignet ou doigt. Ouais, c'est le doigt. Strapper là si la douleur est trop forte. Les Lyonnaises provisoirement à 10, pressées par les joueuses du FC Zurich. Ouais, compliqué pour Bacha qui en plus en voulant frapper le ballon a frappé le poteau de corner. Sam Bacha, mais ça a l'air d'aller. Et Damaris a pu faire son retour sur le terrain avec un bandage. La touche à suivre pour les Suissesses. Pubel, dos au but. Allez, le centre sur Bernauer. Le petit crochet, la frappe repoussée par Endler. C'était cadré et dangereux. Et deux joueuses restent au sol, décidément, depuis quelques minutes. Les problèmes physiques s'accumulent de part et d'autre. On va revoir tout d'abord l'occasion de Bernauer avec cette belle frappe, bien repoussée par Endler, vigilante. Bel arrêt de la part de la gardienne chilienne de l'OL. Et c'est Lynn Sieren qui reste au sol. Après un contact avec une Suissesse.
voir se relever l'américaine. Un petit peu sonné. On va revoir la situation en retombant. Suite à ce duel aérien. Alors l'arbitre qui avait arrêté le jeu, qui va rendre le ballon aux Lyonnaises, c'est reparti. Melvin Mallard. Melvin Mallard hors jeu, coup de sifflet. Elle qui avait ouvert le score lors du match aller. Stierli. On la retrouve, Laura Fetterlein, l'autre défenseur central de cette équipe. Ancienne joueuse de Wolfsburg, où évoluait également sa sœur, gardienne. Yaya. Ballon coupé et récupéré par Stierli. Voici Fetterlein, balle au pied. Sa sœur Alisa, donc gardienne de Wolfsburg, notamment lors de la finale 2013, lorsque les Allemandes avaient battu l'OL 1-0 à Stamford Bridge. Sonia Bonpastor était sur le terrain ce jour-là. Mais l'actuelle joueuse du FC Zurich, Laura Fetterlein, elle était restée sur le banc. Horan, un petit peu d'espace pour servir Cascarino. Le centre, Mallard de la tête. Et le ballon touché, dévié par Naomi Megros, qui a bien failli surprendre sa gardienne. Ce sera donc un corner. C'est parti pour Bacha. La tête de Vanessa Gilles. Sombat qui va remettre ce ballon dans la surface de réparation. Renard, Mallard. Mallard gêné par Fetterlein. La relance courte. Doubs. La faute. La faute sur Inès Benyaya. Accroché. Y aura-t-il un carton jaune? Oui. C'est le deuxième pour le FC Zurich. Laura Fetterlein averti à son tour après Kim Doubs. Faute d'anti-jeu. Allez, Selma Bacha pour mettre ce ballon dans la surface de réparation. La remise de la tête. C'est dégagé. Risen. La contre-attaque. Avec ce ballon vers Pubel. Pubel qui accélère côté droit. Qui s'est un petit peu enfermé.
Le centre à venir, le ballon qui traîne. Une phase de possession dans le coin adverse pour le FC Zurich. Il n'y en a pas eu tant que ça depuis le début de ce match. Un geste manqué pour Zerena Pubel. Suite à cette ouverture. Les Lyonnaises qui, tant qu'elles n'auront pas marqué un deuxième but, resteront sous la menace d'une mauvaise surprise. On l'a vu tout à l'heure avec la tentative de Bernauer. Elle aussi avait évolué à Duisbourg, la Suissesse. Elle a souvent affronté l'OL en Champions League. Expérimenté milieu de terrain de 34 ans. Passé par l'AS Roma également en Italie. Vanessa Gilles, Salma Bacha et le pressing de Reason. Compliqué pour Bacha de s'en sortir. Wendy Renard contré. Ça manque de solutions là autour du porteur. Les Suisses un petit peu mieux en cette fin de première période. De ne pas s'endormir côté lyonnais. Pas vraiment de solution pour Vanessa Gilles. Brun. Cascarino. C'est bien fait. Allez, Delphine Cascarino. Il y a Melvin Mallard dans l'axe, ça passe devant tout le monde, Ben Yahia, pied gauche, ballon renvoyé, ça revient sur Brun, qui n'a pas réussi à enchaîner techniquement. Et derrière, ça repart pour les Suisses, Fabienne Hohm, tenté d'alerter Reason, ballon récupéré par Selma Bacha. Oren. Cascarino. Allez, le bon centre, premier poteau vers Brun qui s'est jeté mais qui n'a pu reprendre ce ballon. Et un bon centre avec la tête de Lindsay Oren capté par Friedli. Pas se projeter l'américaine comme tout à l'heure sur l'ouverture du score. Couverture de Wendy Renard qui joue rapidement la touche. Ben Yahia, c'est bien fait, le ballon n'est pas sorti. Voilà, Oren. Tamaris, Gilles. Et bon ballon vers Cascarino. Le 1 contre 1. Damaris à présent. Selma Bacha. Bon centre vers Melvin Mallard. Renvoyé par Fetterlein. Et Bernauer à présent. Reason. Pubel. Il y a un petit peu de précipitation là.
côté suisse. En tout cas, il y a l'envie hein, côté Zurich de ne pas seulement subir, d'essayer aussi, quand c'est possible, d'attaquer. Reason, oh, Hum qui avait laissé passer ce ballon, pensant qu'une coéquipière suivait, ça n'était pas le cas. Enfin, première période un peu plus laborieuse pour l'OL. Et le FC Zurich à l'image du discours de sa coach en avant-match, qui n'est pas venu ici pour vendre sa peau facilement, qui va tout donner pour essayer de ramener un résultat. Damari est intercepté. Ça repart pour la contre-attaque avec Kim Doops. Ballon renvoyé, mais encore une fuissesse à la réception. Et encore une possibilité de contre-attaque. Ben Yahia avec Malard. Melvin Malard face à Stierli. Elle rentre intérieure. La frappe pied droit contrée. De hors-jeu signalé. On approche de la fin de cette première période. On va rentrer dans quelques secondes dans le temps additionnel. Il y aura 3 minutes de plus à jouer. 3 minutes pour au moins conserver cet avantage de 1-0 côté lyonnais. Impératif ce soir pour rester dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Damaris Boone, la remise qui n'est pas parvenue jusqu'à Ben Yahia, un petit peu de déchet. Owen qui avance, mais le bon ballon. Dans l'intervalle, c'est bien fait, Damaris. Ça joue toujours. Le centre. Allez, Bacha qui va s'appliquer. Le petit crochet. La frappe, pourquoi pas, ça passe au-dessus. Un petit peu trop excentré, peut-être. Salma Bacha, elle qui a inscrit deux buts magnifiques ce week-end face à Dijon. Deux superbes frappes. Mais là, l'angle était un petit peu fermé. C'était plus compliqué. Renard qui monte aux avant-postes en cette fin de première période. Ben Yahia. Cascarino. Oran. On trouve Delphine Cascarino. Le 1-2, allez la frappe du gauche, faut la tenter, oh ça passe au-dessus. Quelle belle frappe de la part de Delphine Cascarino. L'appui sur Ben Yahia et derrière ça frôle la barre transversale. Fedli semblait battu. Peut-être la dernière occasion de cette première période. Charlie,
pas prendre de risque côté Zurich avant le coup de sifflet de la mi-temps. Allez, c'est la pause au Groupama Stadium. 1-0 pour l'OL face au FC Zurich dans ce quatrième match de poule de Women's Champions League, lui inscrit par l'américaine Lindsay Horan à la 14e minute de jeu. Avantage logique mérité, mais attention à cette équipe du FC Zurich qui au fil des minutes a pris confiance et sorti un petit peu plus également, se créant une occasion. Belle frappe de Bernauer repoussée par Christian Endler. Il faudra inscrire le but du break, le but du 2-0 pour se mettre à l'abri au retour des vestiaires et ne pas tomber dans un fond rythme côté lyonnais. Les Lyonnaises qui ont eu la possession, mais ça s'est équilibré au fil de la première période. 16 frappes dont 6 cadrées pour l'OL, 3 tentatives côté Zurich. Cet avantage permet pour l'instant à l'OL de revenir à hauteur d'Arsenal dans ce groupe C et de prendre provisoirement 2 points d'avance sur la Juventus avant l'affrontement à 21h entre Anglaise et Italienne. Un partout lors du match aller entre les deux équipes. L'OL qui, on le rappelle, se déplacera à Arsenal. Okay, la semaine prochaine. Speaking to Lindsay Horan. Lindsay, you opened the score in the 15 minutes. What did you think of the start of the game? Honestly, Zurich came out and they're very good. I think they're putting the pressure on. I think they want to obviously win the game. So I think we need to do more. We need to control the ball better, and when we have the transition to actually be effective in it. So just a little bit more from our team. What can you say about the combination on the pitch with Melvin Mallard? Yeah, she's getting better and better every time I play with her. I think she's looking for the pass, she's looking for the right decision, so I'm really proud of her and hopefully she can get a goal on the end of it. Thank you very much. Voilà pour la réaction de Lindsay Horan qui indiquait qu'il fallait faire plus en seconde période. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. We got a telex that there is a positive doping control. And it concerns player number 10. La creencia esta que dio positivo por cocaína es errada. Que alguien lo pergeñó no me cabe la menor duda. Ahora, ¿quiénes fueron? Créeme que me cortaron las piernas. This is my family. Every World Cup, we all get together. Mate, let's go. Vamos. Karim eats goals for breakfast. Leo, he's one of a kind. With Sonny, everything's brighter. Nobody's faster than Hakim. Serge's style is unbeatable. You can't forget about your boy Storms. When football is everything, impossible is nothing. The very best action from around the globe. From free running to Formula One and everything in between. This is the place to see exceptional athletes doing extraordinary things. Whether it's near impossible challenges or life-changing journeys of discovery, these are the innovators pushing the limits of possibility. Incredible moments, unforgettable stories. Welcome to the new home of action sports. Fight fans, welcome to the DAZN Boxing Show. Bringing you all the exclusive news, interviews, and outspoken views from the world of boxing. I'm back in beast mode. The fight starts
now! Catch the latest boxing news every single weekday. I'm gonna be honest, man. That kid's pissing me off. This is what boxing's all about. From the best fighters to the biggest promoters. Give me some fucking props. The boxing world is going to be buzzing. No one takes you closer to the fight game than the DAZN Boxing Show. Here's Rolfe. Bonamati on the edge of the box. Here she is! Squeezed it in. Lovely finish there. As Barcelona double their lead. A countdown. Bonamati on the score sheet to add to the goal. Scored by JC. That is top-class centre-forward play from the Polish international. And Wolfsburg are on terms in Italy. Top-class, superb out from Eva Pajor. The first Austrian team to score an away Champions League group stage goal, and Meyer have victory as well. Will surely have victory unless Slavia can find something late on here. Maria Mikolaeva with a brilliant strike. Support arriving. Pina has a goal and scores majestically. The best goal of the night. That was special. Power home by Pina. And Barcelona now are cruising and countdown. Fight fans, welcome to the DAZN Boxing Show. Bringing you all the exclusive news, interviews, and outspoken views from the world of boxing. I'm back in beast mode. The fight starts now! Catch the latest boxing news every single weekday. I'm gonna be honest, man. That kid's pissing me off. This is what boxing's all about. From the best fighters to the biggest promoters. Give me some fucking props. The boxing world is going to be buzzing. No one takes you closer to the fight game than the DAZN Boxing Show. This is my family. Every World Cup, we all get together. Mate, let's go. Vamos. Karim eats goals for breakfast. Leo, he's one of a kind. With Sonny, everything's brighter. Nobody's faster than Hakim. Serge's style is unbeatable. You can't forget about your West Storms. When football is everything, impossible is nothing. The very best action from around the globe.
From free running to Formula One and everything in between. This is the place to see exceptional athletes doing extraordinary things. Whether it's near impossible challenges or life-changing journeys of discovery, these are the innovators pushing the limits of possibility. Incredible moments, unforgettable stories. Welcome to the new home of Action Sports. We got a telex that there is a positive doping control, and it concerns player number 10. La creencia esta que dio positivo por cocaína es errada. Que alguien lo pergeñó no me cabe la menor duda. Ahora, ¿quiénes fueron? Créeme que me cortaron las piernas. De retour au Groupama Stadium pour la seconde période dans quelques instants de ce match entre l'OL féminin et le FC Zurich. Quatrième match de poule de Women's Champions League. Et les Lyonnaises mènent à la pause 1-0 grâce à une réalisation de l'américaine Lindsay Horan à la 14e minute de jeu. On va revoir justement ce but, cette frappe puissante tendue qui passe entre les jambes de la défenseur et de la gardienne du FC Zurich. Deuxième but dans la compétition cette saison pour Lindsay Horan. Et une occasion pour le FC Zurich qui a mieux fini cette première période avec cette belle frappe de Vanessa Bernauer, la Suissesse. Frappe repoussé par Christian Endler. Attention donc à ne pas s'endormir côté lyonnais car la victoire est impérative dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Après une défaite 5-1 face à Arsenal et un match nul 1-1 sur le terrain de la Juventus, les lyonnaises doivent à tout prix remporter ce deuxième match de suite face au FC Zurich. Succès 3-0 à l'aller dans un match peut-être un peu plus maîtrisé. Les Lyonnaises ont débuté fort ce soir. Une grosse entame de match. Mais derrière, les Suissesses sont sorties de leur camp et ont réussi à se procurer donc cette grosse occasion. C'est ce que disait la buteuse Lindsay Horan à la pause au micro de l'UEFA. Il faut faire plus, il y a une équipe qui se défend bien en face. Et pour l'instant, c'est suffisant pour mener 1-0, mais insuffisant pour déjà se mettre à l'abri. Il est important de se remettre en route avec ces températures hivernales. Il fait actuellement 4 degrés sur Lyon et sur Décines. Et on rappelle la grosse fin d'année pour les Lyonnaises qui ce dimanche recevront ici même au Groupama Stadium le Paris Saint-Germain dans le choc au sommet de la D1 Arkema. L'OL possède toujours 2 points d'avance sur le PSG. Ce sera l'occasion de revoir Gérard Prêcheur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain et ancien entraîneur de l'OL au Groupama Stadium, lui qui avait remporté cette Women's Champions League avec l'OL en 2016 et 2017. Et puis après ce duel au sommet face au PSG, il y aura la semaine prochaine un déplacement à Arsenal avant d'accueillir la Juventus pour le dernier match de
l'année 2022. Le coup d'envoi dans quelques secondes donné par l'arbitre polonaise ce soir, Monika Mularczyk. Et c'est parti, ce sont les Suisses du FC Zurich qui ont donné ce coup d'envoi. Pas de changement a priori de part et d'autre. On repart avec le même 11 côté lyonnais avec quelques habituels titulaires sur le banc ce soir. On pense notamment à la néerlandaise Danielle van de Donk. Ou encore à Janice Kaiman. Jennifer Marojan également, qui a fait son retour à la compétition il y a deux semaines lors du match aller à Zurich et qui depuis a grappillé du temps de jeu après s'être gravement blessée au genou la saison dernière. Risen pour la première offensive du FC Zurich et le dégagement de Hohen. Friedli à la relance. Vetterlein. Ballon loin devant vers Fabienne Ruhm. Pubel à présent qui a manqué son contrôle. Ça reste dans les pieds des Suisses. Avec Risen qui a bien protégé son ballon face à Melvin Mallard. Les intentions sont bien meilleures. Ça se confirme. Côté FC Zurich. Attention à ce duel avec les joueuses qui restent au sol, notamment une lyonnaise. L'action se poursuit avec Delphine Cascarino. Le centre vers Melvin Mallard. Un petit peu trop juste pour reprendre ce ballon. Et on va arrêter le jeu. On appelle les soigneurs. Là, c'est Alice Sambat, la jeune lyonnaise qui reste au sol. Suite à cette intervention. Alors, où est-ce qu'elle a pu se faire mal là-dessus? Est-ce que c'est le visage? Non, c'est plutôt la jambe gauche là. Qui est testé par le staff médical de l'OL. L'inquiétude forcément pour Sonia Bonpastor qui a déjà perdu de nombreuses joueuses sur blessure ces dernières semaines, ces derniers mois. On pense notamment à Ada Egerberg et Gretchen Bock. Amandine Henry également est absente depuis quelques semaines. Ellie Carpenter, l'Australienne, ou encore la recrue allemande, Zara Debritz. Katharina Macario également, jeune et talentueuse attaquante américaine. Et puis Amel Majri, qui a enchaîné blessures et accouchement. Du beau monde que l'on espère revoir très vite sur les terrains. Les Suisses à la relance. Vetterlein. C'est tourné avec Friedli, la gardienne. Elles aiment repartir de derrière dans un premier temps, en tout cas, les joueuses du FC Zurich.
Pierre-Li. C'est passé. Pour Risen. Negroz. Repasse par sa capitaine. Pierre-Li. Un peu stérile là. Ils ne parviennent pas à avancer. Les Suisses et les Lyonnaises petit à petit qui viennent resserrer. Allez, on allonge cette fois-ci. La remise de la tête de Fabien Hoom vers Pubel qui obtient la touche. Vanessa Gil qui a remporté son duel de la tête et Inès Benyaya qui obtient le coup franc. Melvin Mallard sur le côté gauche avec Damaris. C'est passé jusqu'à Delphine Cascarino. Centre renvoyé. Damaris à l'entrée de la surface de réparation. Benyaya. Et ballon récupéré par les joueuses du FC Zurich avec Risen. Qui accélère, qui contre-attaque, mais derrière qui manque son ouverture. Allez, Cascarino, elle est passée. Elle est passée, Delphine Cascarino, elle est toute seule, le face-à-face. C'est contré. Benyaya qui ne peut frapper. Il y aura même un coup franc pour l'UFC Zurich. L'arrêt de Zerina Friedli dans ce face-à-face. Elle a pris le temps, Delphine Cascarino, d'avancer, de lever la tête, mais l'angle était un peu fermé et la frappe trop molle. Friedli, elle, n'avait pas bougé et a pu renvoyer ce ballon du pied. Dommage, il y avait l'occasion là de marquer ce fameux but du break, de se mettre à l'abri. Peut-être partie remise. Salma Bacha, le centre. Trop enlevé. Ça finira derrière le but. Et on revoit sur cet angle la tentative de Delphine Cascarino. Derrière Benyaya qui ne peut enchaîner. Brun en appui. Oren avec Cascarino. Damaris. On va passer par Wendy Renard. Son bat pour le centre sur la tête de Benyaya. Skirli qui dégage. La pression lyonnaise là depuis quelques instants. Bien installé dans le camp adverse. Allez, mettre du rythme. Enchaîner les passes. Mettre du mouvement, percuter comme le fait la Delphine Cascarino. Qui tombe sur le bon tacle d'Irina Pando, la latérale gauche de cette équipe. Elle s'est accrochée, Pando, pour venir tacler ce ballon. Allez, le premier corner de cette seconde période.
Le pied gauche toujours de Selma Bacha, ce sera rentrant. Tendu deuxième poteau, la remise de Horan dans les gants de Friedli. Sans problème pour l'international suisse. Attention à cette relance interceptée. Bernauer avec Melrose. Stierli qui est monté d'un cran. La passe sera un petit peu trop appuyée. Les premiers changements côté lyonnais. Avec double changement même, avec Van de Donk et Kayman qui vont rentrer, la néerlandaise et la belge. Sortie d'Alice Sombat qui s'était fait un petit peu mal tout à l'heure. Ce sera du poste pour poste sans doute avec Janice Kayman. La belge buteuse ce week-end face à Dijon. Et sortie de Ben Yaya. Et le sommaire également. Et bien voilà, trois changements d'un coup pour Sonia Bonpastor dès l'entame de cette seconde période. Le sommaire qui rentre en pointe à la place de Signe Brun que l'on a peu vu ce soir, la danoise, elle qui avait inscrit un doublé lors du match aller. Attention, attention à cette opportunité avec Bernauer qui s'était infiltré là, côté droit. Elle qui avait déjà testé les gants de Christian Endler en première période. Pas de corner suite à cette action. Premier ballon pour Van de Donk accroché. Elle obtient un coup franc tout de suite. Est-ce que les 3 entrantes seront titulaires face au Paris Saint-Germain dimanche soir? C'est une possibilité. La remise de Le Sommer vers Damaris qui écarte sur Mallard. Bacha, le bon centre. Personne n'a pu reprendre. Ça revient sur Kayman. Frappe pied gauche dans les gants de Friedli. Les trois entrantes qui peuvent apporter un petit peu de peps à cette équipe lyonnaise. Avec leur envie, leur qualité et leur expérience. Allez, attention à cette paire de balles de Vanessa Gilles, ça joue vite dans son dos. La couverture de Wendy Renard. Oh, et l'erreur peut-être d'Endler qui a failli coûter cher aux Lyonnaises. Ça n'est pas terminé, Reason. Alors que Bacha s'est fait mal là-dessus. La frappe de Megros qui passe au-dessus. C'était chaud, très chaud pour l'OL. Quelle occasion pour le FC Zurich et quelle erreur d'Endler qui manque complètement sa relance, qui fait le mauvais choix. Et derrière, Bacha s'est peut-être blessé. Heureusement pour les Lyonnaises, Zarina Pubel n'a pu enchaîner. Est-ce que ça va aller ou pas pour Selma Bacha?
qui boite sévèrement. Si ça n'est qu'un coup, entre guillemets, ça n'est peut-être pas très grave. En tout cas, elle reste sur le terrain pour l'instant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le sommaire. Vande donc avec Horan. Tenter de trouver Melvin Mallard. Ça n'est pas passé. Mais le ballon reste dans les pieds lyonnais avec Damaris. Heureusement que Salma Bacha était là hein, sur cette occasion du FC Zurich, parce que Kubel semblait avoir pris le dessus sur Hendler après avoir contré ce ballon. Et la main, ce sera un coup franc. Involontaire, mais main tout de même de Marion Rey. Alors, Lindsay Horan pour tenter de marquer, d'inscrire un doublé sur ce coup franc à l'entrée de la surface de réparation. La concentration de l'américaine. C'est parti, ça passe au-dessus. Elle avait inscrit un beau coup franc en championnat il y a quelques semaines. Cette fois-ci, c'est mal ajusté. Sans danger pour Friedli. Allez, des changements côté FC Zurich avec celle qui s'est créée la belle occasion là en première période. Bernauer remplacé par Pilgrim. On rappelle qu'elle ne devait pas débuter, Bernauer, au départ. Mais la grecque Eleni Marcou a sans doute eu un souci à l'échauffement. Elle qui était annoncée titulaire sur la feuille de match, elle n'a pu finalement tenir sa place. Ça va mieux pour Salma Bacha, qui s'est remis du coup qu'elle a pris tout à l'heure en sauvant son équipe. Parce que là, hein, partout, pas dire que le résultat aurait fait les affaires de l'OL, même si il reste du temps, une demi-heure à jouer encore dans ce match, en comptant les arrêts de jeu. Bacha, Renard. Gilles avec Caïman. Cascarino, vente de donc. Bacha qui rentre intérieur, qui accélère. Allez, elle a vu l'espace, elle l'a pris. Elle peut servir Horan sur le côté gauche. Elle se balade beaucoup, l'américaine. On la voit à droite, à gauche, dans l'axe. Le centre vers Melvin Mallard qui prend le dessus sur Friedli. Et qui double la mise, 2-0. Le but du break, enfin, on l'attendait. Le voici, le soulagement pour l'OL. Melvin Mallard, déjà buteuse lors du match aller, qui récidive. Allez, on revoit au départ la belle percée de Salma Bacha, qui vient centrer ce ballon sur la tête de sa coéquipière. C'est déjà de la tête hein, qu'elle avait ouvert le score à Zurich, Melvin Mallard. Elles se connaissent bien les deux joueuses.
Elles jouaient déjà ensemble il y a quelques saisons en U19. Mais par contre là, pour Selma Bacha, cette passe décisive aura été son dernier ballon touché. On pensait que ça allait mieux, mais le coup pris tout à l'heure va la contraindre à laisser ses coéquipières. Et ça n'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors que les affiches face au PSG, Arsenal et à la Juventus arrivent. Elle est du poste pour poste avec l'entrée de Perle Moroni. Et Damaris, remplacée par Jennifer Marojan. Le retour au Groupama Stadium pour Jennifer Marojan, qui avait fait sa première apparition sur les terrains lors du match aller, après plusieurs mois d'absence. Qui va reculer d'un cran là dans son milieu de terrain à 3 avec Marojan et Van de Donk un petit peu plus haut. Et voilà Jennifer Marojan avec Horan qui est quand même venu pour proposer une solution et frapper ce ballon. Frappe dévissée qui passe largement à côté. Allez, maintenant que les choses sont bien engagées, on peut le dire, l'OL se dirige vers une 100e victoire en Coupe d'Europe ce soir, pour seulement 16 matchs nuls et 11 défaites. Nadine Mallard qui a inscrit il y a quelques instants le 445e but européen de l'OL. Voilà pour la petite statistique, même si le plus important bien sûr ça reste la qualification pour les quarts de finale. Et voilà, l'OL est la première équipe, si ce résultat se confirme, à remporter 100 matchs dans la compétition. C'est assez énorme. Endler, la relance courte vers Vanessa Gilles qui allonge. Pas de faute, ça joue. Kayman. Marojan. Oh, le bon ballon. Le bon ballon vers Le Sommer. Magnifique. Eugénie Le Sommer qui accélère, qui rentre dans la surface de réparation. Le centre vers Melvin Mallard. Ça passe à côté. Elle demandait un corner, l'attaquante lyonnaise. Quelle ouverture au départ de Marojan. Son pied magique, sa vista nous avait manqué. Une joueuse exceptionnelle. Toujours ce pressing lyonnais pour gêner la relance des Suissesses. La mise en jeu qui a été effectuée, ça joue. Marojan en une touche vers Le Sommer. À chaque fois qu'elle touche le ballon, il se passe quelque chose. Qualité technique hors norme. Et le Aou est lancé dans les tribunes. On
lorsque le numéro 69 s'affiche. Allez, nouveau changement pour le FC Zurich avec l'entrée de Pinter. Victoria Pinter, autrichienne. Ça va être plus dur là pour les Suissesses après ce deuxième but lyonnais, alors qu'elles avaient eu l'occasion d'égaliser sur l'erreur de relance de Christian Endler. Ah ouais, avec Van de Donk. Attention, attention. Elles jouent bien le coup hein, sur leur pressing, les Suissesses. Elles arrivent à gêner la relance lyonnaise. Et elles viennent obtenir une touche. Par Delphine Cascarino qui ressort sur Van de Donk. Oren avec le sommaire. Et bien fait ça pour Melvin Mallard. Malheureusement, derrière ça n'était pas assez appuyé. Renard vers Marojane. De la tête, c'est propre également pour Moroni. Melvin Mallard qui manque son contrôle, un peu plus de déchets là sur les deux derniers ballons joués, un peu de fatigue sans doute aussi. Pas de hors-jeu pour Jennifer Marojane qui redresse si finalement le drapeau s'est levé. Meilleur jeu tout de même, l'internationale allemande. Attention, faire l'effort défensivement là, le repli. Suissesse qui continue d'essayer de se projeter quand l'occasion se présente. Et Carl Moroni là qui ne prend pas de risque, qui sort ce ballon en touche. Remise en jeu effectuée par Naomi Negroz. Centre à venir, premier poteau, ça passe devant tout le monde. Et Janice Kayman qui sort ce ballon. Il y avait danger là. Sortie en touche par Delphine Cascarino. Ça joue le centre à venir, pied gauche contré. Ce sera un corner pour le FC Zurich qui repointe le bout de son nez dans le camp lyonnais. Allez, on va revoir ce centre là. Sabine Houm qui a laissé passer. Elle l'avait déjà fait en première période. Pinter n'a pu reprendre ce ballon
la nouvelle entrante. Et toujours ces situations là sur ces corners où les Suisses sont rassemblées autour de la gardienne lyonnaise. Grosse densité. Et l'arbitre qui demande de ne pas faire de faute. C'est parti pour ce corner frappé par Pubel. La tête passera largement au-dessus, la tête d'Irina Pando. Alors, petite erreur sur l'affichage qui va céder sa place. C'est la capitaine, semble-t-il, Fabienne Hoom. Oui, c'est bien elle qui va céder sa place, l'emblématique capitaine du FC Zurich. Elle entrante, comme lors du match aller, une toute jeune joueuse. Un jeune talent, Lila Egli, 15 ans seulement. Une joueuse à suivre lors des prochains mois, des prochaines années. Les Lyonnaises à la relance. Vanessa Gilles avec Van de Donk. C'est passé pour les joueuses du FC Zurich. Une belle opportunité de porter le danger avec ce centre coupé par Wendy Renard. Pas de hors-jeu signalé, ce sera une touche pour les Suisses. Elle était hors jeu, Reason, mais elle n'a pas participé à l'action finalement. Débordement, centre contré, nouveau corner. Elles n'ont peut-être pas dit leur dernier mot, même si ça va être compliqué. Elles ne lâchent rien jusqu'au bout. On rappelle qu'en cas de défaite, elles seront éliminé de la compétition avant même les deux derniers matchs. Nouveau corner, renvoyé de la tête. Reason. Les ballons récupérés par les Lyonnaises et la faute là sur Sihoren. La faute de Alaya Pilgrim. Et derrière la possibilité pour Cascarino. Contrée. Nouvelle chance. Le crochet. Le centre. La tête de Melvin Mallard et le doublé. Et 2-3 pour l'OL. Les Lyonnaises efficaces. Zurich qui s'installait un peu plus dans le camp lyonnais, mais sur une attaque rapide. Melvin Mallard qui libère définitivement ses coéquipières. 3-0. C'était le score lors du match aller. C'est le score à 10 minutes de la fin du match. Le beau travail de Cascarino avec ce crochet qui prend Pando à défaut, et derrière le jeu de tête toujours de Melvin Mallard, efficace. Quatrième but déjà dans la compétition pour l'attaquante de l'OL. Ça fait
7 buts, toutes compétitions confondues. Et elle devance désormais Lindsay Horan. Classement des buteuses lyonnaises depuis le début de la saison. Assez dur hein, pour cette équipe de Zurich qui avait montré de belles intentions. Mais c'est aussi ça le haut niveau, savoir être efficace. Le Sommer dans la surface de réparation qui a pu se retourner. Le Sommer toujours qui a tenté de trouver une partenaire, en l'occurrence Moroni. La couverture de Vanessa Gilles, pressée par Pilgrim. Ça va être intéressant de savoir qui accompagne Wendy Renard en charnière lors des prochains matchs. La jeune Alice Sombat. Ou Vanessa Gilles. Le Sommer, Cayman. Centre contré, ça revient sur Cascarino. Pied gauche, ça ne passe pas. Ballon dégagé. Melvin Mallard sur le côté gauche avec Perle Moroni. Centre renvoyé de Horan qui est contré, qui va obtenir la touche. Vanessa Gilles, ouais, centre complètement manqué, ouverture complètement manquée vers Jennifer Marojane, ancienne joueuse de Bordeaux, prêtée par le club américain de Angel City, club de Los Angeles, qui était arrivée à l'OL blessée et qui depuis quelques semaines retrouve petit à petit ses sensations. Faute de Delphine Cascarino sur Nadine Horizon qui, comme lors du match aller, aura fait des kilomètres sur le côté. Qui vont suivre avec attention le match à 21h entre Arsenal et la Juventus. Cette victoire lyonnaise met un peu plus la pression sur les Italiennes, hein, notamment, qui doivent ramener quelque chose de Londres. Sachant que le dernier match de la poule se jouera ici entre l'OL et la Juventus, ce sera sans doute décisif pour la qualification pour les quarts de finale. Et puis sachez que dans le groupe D, quelques minutes de la fin du match, le Benfica mène 3 buts à 1 sur le terrain des Suédoises de Rosengård. Grosse performance de la part des Portugaises qui étaient dans la poule de l'OL la saison dernière. Benfica qui peut encore croire à la qualification. Et bien sûr, demain, ce sera au tour du
du Paris Saint-Germain de jouer. Déplacement sur le terrain de Vlasnia après la victoire lors du match aller. Les Parisiennes qui auront un jour de moins de récupération avant le choc de dimanche. Et qui en plus doivent gérer la fatigue d'un déplacement. On va suivre ce match demain sur DAZN et sur YouTube avec Romain Ballan. On espère que nos deux équipes françaises iront encore très loin cette saison. Attention à ce centre, Pilgrim. Pilgrim qui n'a pu se mettre en situation de frapper. Et Moroni qui a pu écarter le danger. Vente de donc. Cascarino. Ouverture vers le sommaire. Envoyé par Stierli. Line sur le côté gauche. Dégagement de Friedli. Faute sur Horan qui se sera bien dépensé ce soir, l'américaine. Il va falloir qu'elle récupère de ses efforts. Elle va sans doute passer par la salle de soins dans les jours qui viennent. Jeanne Moroni, ça n'est pas passé. Le FC Zurich, lui, qui n'aura plus de match de championnat cette année. Il n'y aura plus que deux matchs à jouer face à la Juventus et Arsenal. La reprise du championnat suisse est programmée au mois de février. Allez, Melvin Mallard peut-être pour une nouvelle opportunité. Jennifer Marojan avec Lindsay Horan. Marojan, la frappe, ce n'est pas cadré. Cette fin de partie. Irina Pando pour le centre. Attention à cette opportunité. Elle n'a pas osé frapper. La jeune Egli a été pourtant en bonne position face à Handler. Ça passe pour Vande donc. Et un bon coup à jouer, le sommaire. Le sommaire face à Stierli. Le passement de jambe, le sommaire toujours. Et le retour de la grande défenseur du FC Zurich. Et le sommaire qui continue. Elle a fait le tour. Et cette fois-ci, Friedli s'interpose. On revoit le bon tacle hein, avec ses grandes jambes. De Julia Stierli.
4 minutes de temps additionnel dans ce match. Verra-t-on encore un but, une réduction du score de Zurich ou un quatrième but lyonnais? Pilgrim, l'appui au milieu de terrain à Laïa Pilgrim qui a poursuivi son effort. Ah, on sent qu'elles avaient envie de marquer un petit but ce soir, les Suisses. Faire mieux que lors du match aller, elles n'y sont pas parvenues. Malgré l'occasion de Bernauer en première période, bien repoussée par Endler. Et puis cette même Endler, suite à une mauvaise relance, qui a offert une belle opportunité à Pubel. Mais Salma Bacha a été là pour empêcher l'attaquante de Zurich de marquer au moment où le score était encore de 1-0 seulement. Et la tentative de vente de donc pas cadré, pied gauche. Salma Bacha qui, après avoir sauvé une situation compliquée, a délivré une belle passe décisive pour Melvin Mallard, mais s'est blessé sur son intervention défensive. Elle a dû quitter le terrain. Évidemment, ça va être intéressant de savoir si elle pourra tenir sa place lors des prochaines échéances. Allez, peut-être une dernière opportunité pour le FC Zurich avec cette frappe contrée par Moroni. Et la remontée de balle de Jennifer Marojan. Fin de match un petit peu décousu. Le ballon trop profond vers Moroni. Ce sera une sortie de but. On sent qu'il y a un petit peu de fatigue avec l'arrivée des températures hivernales, l'enchaînement des matchs. Et le regard d'Inka Grings qui avait fait mal à l'OL il y a de cela quelques années, désormais avec Duisbourg, saison 2008-2009. Oh, Cascarino! La belle frappe pour conclure en beauté cette soirée. À l'entrée de la surface de réparation, elle n'a pas hésité à prendre sa chance. Et ça fait 4-0. Buteuse à son tour, Delphine Cascarino. Elle qui avait déjà tenté sa chance pied gauche en première période, s'était passé juste au-dessus. Cette fois-ci, elle accroche le cadre. Et malgré l'intervention de Friedli, ce ballon qui finit au fond des filets. Jolie frappe, joli but. Et après le succès 3-0 lors du match aller, les Lyonnaises s'imposent 4-0 ce soir au Groupama Stadium face au FC Zurich. Mission accomplie dans cette double confrontation pour se relancer dans ce groupe avant d'affronter Arsenal et la Juventus. Les Lyonnaises se sont remises en bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale. Il reste maintenant ces deux gros matchs à disputer
Et avant cela, donc l'affiche de D1 face au PSG ce week-end. Soirée parfaite ou presque parfaite en fonction de la blessure ou non de Selma Bacha. Allez, victoire méritée pour les Lyonnaises, même s'il y a eu quelques temps faibles et même si cette équipe de Zurich a tenté de faire mieux que lors du match aller et un peu plus sorti de son camp, s'est procuré quelques situations intéressantes. Allez, l'OL, grâce à ce succès, donc, compte désormais 7 points dans ce groupe C. Le même nombre de points qu'Arsenal. La Juventus en compte 5. Anglaise et italienne s'affrontent à 21h à Londres ce soir. Et on en saura plus après ce match. Elles ont sourire, les Lyonnaises, et notamment Delphine Cascarino, auteur du quatrième but. On rappelle que l'Américaine Litsi Horan avait ouvert le score à la 14e minute de jeu. Melvin Mallard s'est offert un doublé avec deux buts de la tête. 53% de possession ce soir pour l'OL, avec tout de même 33 frappes, dont 12 cadrées. Et Zurich, malgré ses 6 tentatives et malgré quelques centres dangereux également, n'a pas réussi à marquer ce soir. Belle victoire de l'OL. On va se quitter là-dessus. Vous souhaitez une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une superbe affiche Arsenal-OL à l'Emirates Stadium. Bonne soirée à tous. We got a telex that there is a positive doping control and it concerns player number 10. La creencia esta que dio positivo por cocaína es errada. Que alguien lo pergeñó no me cabe la menor duda. Ahora, ¿quiénes fueron? Créeme que me cortaron las piernas. This is my family. Every World Cup, we all get together. Mate, let's go. Vamos. Karim eats goals for breakfast. Leo, he's one of a kind. With Sonny, everything's brighter. Nobody's faster than Hakimi. Serge's style is unbeatable. And you can't forget about your boy Storms. When football is everything, impossible is nothing. The very best action from around the globe. From free running to Formula One and everything in between. This is the place to see exceptional athletes doing extraordinary things. Whether it's near impossible challenges or life-changing journeys of discovery, these are the innovators pushing the limits of possibility. Incredible moments, unforgettable stories. Welcome to the new home of action sports.
Fight fans, welcome to the DAZN Boxing Show. Bringing you all the exclusive news, interviews, and outspoken views from the world of boxing. I'm back in beast mode. The fight starts now! Catch the latest boxing news every single weekday. I'm gonna be honest, man. That kid's pissing me off. This is what boxing's all about. From the best fighters to the biggest promoters. Give me some fucking props. The boxing world is going to be buzzing. No one takes you closer to the fight game than the DAZN Boxing Show.